Moi, faut que j'essaye d'aider les gens. C'est des petites actions, mais elles ont chacune leur importance. La réserve, c'est un groupe de personnes qui ont accepté d'être bénévoles au service de la ville. Pour apporter une aide, que ce soit sur des événements solidaires. Et cela permet d'assister et d'aider un peu la commune sur les diverses manifestations qu'elle organise. Prioritairement pour des actions ponctuelles en situation de catastrophe, comme tempête de neige, il faudrait ouvrir un gymnase et accueillir les gens, ou au moment d'inondation, des situations comme ça. Et au final, ça s'est poursuivi, notamment avec l'arrivée du Covid, où on a été très mobilisés. La pandémie a transformé les missions en missions plus longues. On a été amené, par exemple, à travailler sur les campagnes de tests antigéniques. C'était toutes les semaines, deux fois par semaine, et ça a duré à peu près 6-7 mois, si c'est pas plus. Pareil, on avait des missions qui étaient assez diverses au niveau de l'organisation du centre, en fait, pour orienter les gens, les accueillir, prendre la température, plein de choses variées, en fait, selon là où on avait besoin de nous. Et en même temps, on faisait la vaccination, donc c'était tous les week-ends, et c'était des longues journées, quoi. Et ça permettait d'accueillir les gens, de les recevoir, ils étaient très contents. Alors, je me suis engagée parce que d'abord, j'avais un peu de temps, et puis parce que je trouvais que c'était intéressant de participer aux activités de la ville. J'avais tout simplement envie de me rendre utile, en fait, utile pour ma ville. C'est vrai que je réfléchissais à m'engager dans l'associatif depuis quelques temps. C'est se sentir utile auprès des gens de la commune, quoi. C'est vraiment aider la commune, quoi. C'est un engagement citoyen. Quand je l'ai appris qu'on allait être médaillé de la ville, j'étais un peu surprise dans le sens où je m'y attendais pas, mais après, oui, ça reste un honneur. Ça m'a fait plaisir, mais j'étais surpris, quoi. Qu'on fasse une médaille de la ville juste parce qu'on est bénévole, c'est très bien, mais on ne l'a pas fait du tout pour ça, quoi. C'est pas... Déjà, la première récompense, c'est de voir les gens, de rencontrer d'autres personnes et de les aider. Moi, c'est ça. C'est pas pour la médaille, quoi. C'est pas... Mais ça fait plaisir. Je dirais que j'ai pas été très surprise, en fait. Parce que je me suis dit, bon, ça pourrait bien arriver. Et je pense que c'est un encouragement, d'abord pour ceux qui ont déjà travaillé. Mais on a été toujours remerciés, on nous a jamais oubliés. Et ça peut encourager d'autres personnes à s'engager dans la réserve communale.